Je trouve que tout à fait surprenant qu'à quelques semaines d'un événement qui est subventionné, pas par la ville de Bruxelles, mais par la chancellerie du Premier ministre et par la région bruxelloise, le bourgmestre tout seul décide de supprimer un événement qui est l'événement phare du Réveillon pour 100 000 personnes, des Bruxellois comme d'autres, des familles, des enfants. Et c'est une manière totalement surprenante d'agir. Alors moi, je ne suis pas du tout contre le fait d'avoir des activités à la place de Brooker, mais là, on ne peut pas faire de feux d'artifice. Et entre nous, ce n'est pas encore piétonnier. Donc valoriser l'endroit n'est peut-être pas encore totalement l'idéal puisqu'il n'est pas encore finalisé. Mais aller décider comme ça, quelques semaines de l'événement, et le signifier aux partenaires qu'on ne veut pas faire de feux d'artifice à un endroit où on peut justement, en toute sécurité, rassembler 100 000 personnes à leur plus grand bonheur, je trouve ça hallucinant.